Allô mes chéris, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Nouveau Style pour une nouvelle vie. Suivez-moi. Aujourd'hui, c'est au tour de Viviane d'être relookée. Voyons voir ce que les passants pensent de son style. Perso, je sais pas ce que t'en penses, mais moi si je lui mets un coup, c'est pas au pieu, c'est un coup dans sa sale gueule quoi. Et à la limite, tu vois, je lui chie dessus. Ouais, je lui chie dessus, je pense. Eh bien, en voilà des mots difficiles à digérer. Non mais c'est quoi ces trois bourrelets? On dirait que son t-shirt il est en 3D. Hein? Mais il est pas en 3D mon t-shirt. Il est normaux hein. Non, vraiment, je peux pas regarder, c'est pas possible. Je suis épileptique, je peux pas. Non. Et toi, ma chérie, tu en penses quoi? Je suis vraiment désolée. Chérie. Viviane a un talent, elle fait vomir les gens. Mon chéri, dis-moi ce que tu penses de la fille qui est là-bas. Oh, moi j'aime bien, franchement j'aime bien. Elle a des courbes assez généreuses, des belles formes, les couleurs sont bien respectées. Il y a un arc-en-ciel, elle est vraiment pétillante. Moi j'aime bien, franchement. Non, je déconne, elle est dégueulasse. Ah oui, oh, tu m'as fait peur et j'ai cru qu'il était sérieux, hein. Non, vraiment. Dégueulasse, on est d'accord, dégueulasse. Eh oui, la vérité, ça blesse. Pour la petite histoire, Viviane a rencontré Pierrick il y a maintenant plus de 6 ans. Moi, si j'ai accepté de faire cette émission à la con, c'est pour Pierrick. C'est parce que, voilà, je l'aime et je sens qu'il est en train de s'éloigner de moi, et c'est parce que j'ai envie. Bah, moi, j'aimerais bien que Vivi, elle change, parce que, le soir, quand on fait notre petite affaire, moi j'ai l'impression de baiser un perroquet. Oh my god, c'est un laidron pur et simple. Il va falloir tout reprendre à zéro, que ce soit les vêtements ou la coiffure, tout refaire. Et c'est parti. La nouvelle mission de Christina Cordon Bleu est de faire de notre petit boudin Viviane une beauté fatale. Welcome ma chérie au paradise. Tout ça c'est que pour toi. Ah ben non, mais moi je vais bien garder ces vêtements là. Toi, des hauts, des bas, des colliers, des chaussures. Ah putain, arrêtez de gueuler dans l'oreille. Ça sert à rien de gueuler comme une vache. Ok, pas de soucis, excuse-moi. On peut enlever nos manteaux parce qu'il fait très très chaud. Ça c'est du poids de putois. Ça tient très chaud l'hiver, ça coûte très cher, c'est très rare. Et puis de toute façon, les animaux, ce qu'on garde sur eux, c'est la fourrure. Hein. Le reste, on jette. Hein. Connasse. Ah là là, ma chérie, là, ça va pas du tout. Hein. On dirait une fleur, elle est fanée, un coquelicomant. Non, franchement, ça va pas. Toi, ma chérie, tu es un W. C'est-à-dire que tu es un peu une forme, on ne sait pas vraiment ce que tu es, hein, on essaie de deviner, mais on peut te mettre en valeur par rapport à cette forme-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est que tu vas m'essayer des tenues. Ah, la vache. Je vous ai déjà demandé d'arrêter de me crier dans les oreilles. Ah ouais, mais ça fait mal aussi, là, bon. J'y reprends. Ma chérie, moi, si j'étais la police du swag, je te laisserais pas porter ça. Pas une seule seconde. Donc, tic-tac, on arrête de batifoler. Tu vas m'essayer différentes tenues. Et je te dis laquelle est la meilleure, ok? Rien compris. Viviane se prête au jeu et essaye différentes tenues, mais elle reste toujours aussi moche. C'est la première fois que ça m'est fait ça. J'ai donné des vêtements magnifiques à Viviane. Sur elle, c'est dégueulasse. Oh oh. Ça a craqué. Oh la vache, merde! J'ai pété la robe de la Cordon Bleu. Putain, je vais me faire déglinguer. Ma chérie, un petit string pour te mettre en valeur et faire plaisir à Pierrick. Ah ouais, est-ce non. Que ça... Quoi? Non, je peux pas porter ça, moi, non. Pourquoi? Parce que j'ai des hémorroïdes grosses comme ça dans le... Ah ouais, non, je peux pas avec... Tu sais, avec la barbe, là, du string, ouais. Là, ça rentre dans le... Puis ça me fait mal, ça sert. Ah ouais, non, je peux pas, désolé, je peux pas. Ça sent le rosé, là, non? Ça sent le rosé. 4 heures plus tard, Viviane a enfin trouvé sa tenue idéale. Il est temps de passer chez le coiffeur. Viviane ne va pas se refaire une petite beauté, elle va se faire une beauté tout court, pendant que Pierrick, son amoureux, l'attend tranquillement au parc. J'ai hâte de la voir. Allez hop, on coupe les cheveux. Il est temps de transformer ce joli monstre en jolie femme. La transformation est incroyable. Franchement, je pensais pas qu'on pouvait faire pire. Avant, c'était horrible, mais là, c'est une abomination. Ah ouais, non, j'aime pas. Oh, j'aime pas. On dirait la licorne de Mireille Mathieu. Et... Ma chérie, je sais que tu n'aimes pas trop ta coupe des cheveux. C'est pourquoi j'ai décidé de t'acheter une petite chapeau avec j'adore. Mon argent personnel. Ah, j'aime bien. Tu le clipses juste là, comme ça, et paf, chiqui boum, tu es magnifique. Ah, c'est ouais. Cadeau. Ah, j'aime bien, moi. Il est l'heure de retrouver Pierrick au parc. Cela fait maintenant plus de 6 heures qu'il attend sa petite chérie adorée. Christina l'accueille à bras ouverts. Pierrick, coucou. Salut ma poule. Voilà, ta femme ne va pas tarder à arriver. Elle est magnifique. Yes. Sublime. Yes. Arrête de crier. Hein. Yes. Arrête Pierrick.
Il sent le rosé aussi, hein. Tu sens le rosé, Pierrick. Yes. Viviane va arriver derrière cette haie. C'est pas possible, vous me l'avez complètement transformé. En effet, ce n'est pas possible. Pierrick va vite déchanter quand il va voir Viviane. Pierrick semble un peu déçu, mais on a fait tout ce qu'on a pu. Nos deux amoureux sont enfin réunis. J'avais oublié, mes chéris, ça fera 10 euros pour le coiffeur. Christina Cordon Bleu repart victorieuse. Sa mission est accomplie. Pierrick, merde. Ouais. On est bien ensemble. Mais oui, on est bien ensemble. Ouais, moi j'en ai marre qu'on se gueule tout le temps, tu comprends? Moi je suis bien avec toi, bébé. J'en ai marre aussi. Mais ouais, en plus j'ai fait ça pour toi, tu vois, j'ai fait ça pour que tu m'aimes comme je suis et tout. Ouais, mais t'aurais pas dû. Hein? Putain, Pierrick! Moi je t'aimais comme tu étais, mais avant. Mais oui, mais moi aussi! Ah, t'es pas belle! En plus, je t'ai trompé. Avec Julie, Suzanne et Morissette. Et Christina. Christina Cordon Bleu? Ouais. Voilà, c'est dit. Bon, bah maintenant je vais à mon concert. T'es pas belle! Ah, la salope! Quelle journée de merde pour Viviane. Son copain l'a trompée et part sous ses yeux. Et elle a changé de style rien que pour lui, alors qu'elle voulait rester comme elle était. La vie, parfois, c'est une sacrée pute. Toujours vivant, toujours debout, toujours la banane, toujours la bonne humeur, toujours pour toi, Vivi. Je t'aime, mon Pierrick.